Dans cette mini-intégrale, vous aurez l'occasion de découvrir de nouvelles aventures de notre chère Sonia Larousse. La Diablesse à l'épée Red Sonia 1977, tome 2, contenant 7 épisodes pour 133 pages, nous offre de superbes histoires scénarisées par Roy Thomas et Clara Noto avec des dessins de Frank Thorne. Vous le voyez actuellement à l'écran, mais pour ma part, je trouve les dessins vraiment superbes. Le style de Thorne colle parfaitement avec Red Sonia, l'ayant déjà dit dans la présentation du tome 1, mais notre héroïne évolue dans le même univers que Conan le barbare. Le personnage n'a vraiment de féminin que son apparence, qui lui sert pas mal d'atouts dans des combats face à des ennemis humains. Je précise humain car qui dit héros d'Heroic Fantasy dit combat contre des monstres, là aussi sans rappeler la similitude avec Conan. Mais honnêtement, ayant beaucoup apprécié cette lecture, pour ses dessins certes, mais également pour sa facilité de lecture et le fait que l'on plonge facilement dans cet univers, je ne peux que vous recommander cette lecture et suis impatient de lire les tomes 3 et 4. Je ne saurais dire si Panini Comics envisagera de sortir un jour des intégrales sur Sonia, mais cela me semble peu probable, tout du moins la collection Graf Zeppelin se suffit elle-même. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et abonne-toi pour plus de présentations.